Alors, la découpe géographique du monde a eu plusieurs aspects. On a d'abord commencé à découper le monde, l'ancien monde, le nouveau monde, Orient, Occident. Plus récemment, on parlait d'opposition entre le bloc de l'Est, le bloc de l'Ouest, le tiers-monde. Donc là, on est sur des découpages qui reflètent un ordre politique et culturel. Et aujourd'hui, justement, la dimension socioculturelle va jouer un rôle beaucoup plus important dans les nouveaux découpages régionaux. Donc, notamment en géographie, Jean-Pierre Rézeau parle de l'Afrique des hautes terres. Sylvain Huffer parle également d'Afrique socialiste. Donc, ce sont des découpages qui vont reposer sur de nouveaux critères. Et l'objectif de la communication, c'est justement d'apporter des éléments de réflexion pour tracer les contours de l'océan Indien en abordant une certaine pluralité, en fait, du découpage géographique. Donc, mon objet d'étude va être l'interface terre-mer, donc ce que j'ai voulu représenter par l'iconographie ici, l'interface terre-mer, du coup, qui est composée en fait de pays bordés de l'océan Indien. Ce découpage terre-mer pourrait de prime abord en fait délimiter les frontières de cet espace océan Indien. Mais on voit, notamment par rapport à un fait, la Chine est également présente en fait, dans cet océan Indien, alors qu'elle n'est pas bordière de cet océan. Donc, on va justement étudier en fait, le rôle qu'a cette interface, interface terre-mer, dans la construction de cet espace océan Indien. L'océan Indien, c'est d'abord trois continents. On a l'Afrique à l'ouest, on a au nord l'Asie, au nord-est également, et au sud-est l'Océanie. Alors on pourrait avoir un quatrième continent si on considère la péninsule arabique, ne faisant ni partie de l'Afrique ni partie de l'Asie, mais partie du Moyen-Orient. Et tous ces continents en fait se regroupent à l'intérieur de cet océan Indien. Donc, pour voir les limites de ce découpage politique, on va changer d'échelle. Et je vais prendre l'exemple justement de ces deux îles. L'archipel de Zanzibar, donc situé sur la côte est de l'Afrique, et l'île de Socotra, dans la péninsule arabique. Alors on voit que ces deux îles ne sont pas dans le même découpage politique. L'archipel de Zanzibar appartient au continent africain, alors que Socotra à la péninsule arabique, ou pas attaché au continent asiatique. Mais pourtant, ils ont des caractéristiques culturelles, historiques, sociétales extrêmement similaires, notamment avec le commerce arabe, le commerce portugais également et la colonisation britannique. Pourtant, aujourd'hui, ce découpage politique entre Afrique, péninsule arabique, Asie, va les classer dans deux sous-ensembles régionaux différents. Et une des conséquences en fait, de ce classement-là va être le degré d'inclusion politique, le degré d'inclusion politique de ces pays au sein de l'océan Indien, alors que l'aspect socioculturel et historique aborde de nombreux traits communs. On va du coup essayer de dépasser ce découpage continental et politique afin vraiment d'appréhender l'océan Indien comme un ensemble transcontinental. Transcontinental à vraiment à part entière. Pour ça, on va étudier la pluralité culturelle et son impact justement sur les types de sociétés dans l'océan Indien. Donc, notamment avec, on verra à la fin, un exemple sur Madagascar. La particularité de l'océan Indien, c'est que ce n'est pas seulement un espace océanique, ni seulement un espace continental. Mais c'est vraiment la rencontre en fait, de ces deux espaces-là. Et c'est ce qui rend pertinent en fait, le fait d'étudier l'interface terre-mer entre les deux. Cette interface, justement, là je l'aborde en tant que ligne et en tant que point. Et il va jouer un rôle d'inclusion ou d'exclusion des sociétés au sein de cet océan Indien.
Alors, quand je parle d'inclusion et d'exclusion, je centre vraiment mon propos sur les échanges culturels et l'émergence ou non d'une nouvelle société transculturelle. Et on va s'intéresser justement à la perméabilité de cette interface-là. Donc, on peut reprendre en exemple la Chine, dont je vous parlais en introduction, qui n'est pas dans cette interface, mais qui est quand même présente à l'intérieur de l'océan Indien. C'est d'abord par cette discontinuité, donc l'interface, que l'océan a été d'abord appréhendé et d'abord exploré. On a notamment le commerce arabe qui a suivi la côte est de l'Afrique. On a les vagues migratoires qui sont parties de l'extrême est, notamment sur l'île de Bornéo et donc du côté de l'Asie du Sud-Est, pour rejoindre l'extrémité ouest, au Mozambique ou à Madagascar. On avait également les navigateurs européens qui ont suivi également ce littoral afin d'y implanter des comptoirs marchands de manière sporadique. Cet espace-là a donc été vraiment pratiqué très tôt dans l'histoire, et pratiqué comme un espace d'échange et également de navigation. Donc avec le commerce arabe, avec les échanges Asie-Afrique, parce que, alors, au Grand Zimbabwe, dans le royaume, dans l'actuel Zimbabwe, en Afrique australe, on a retrouvé de la porcelaine de Chine, on a retrouvé des pierres précieuses indiennes. Donc on voit qu'il y a déjà eu des échanges, en fait, entre ces deux continents-là, depuis le XIIe siècle. Il y a également les grandes vagues migratoires austronésiennes dont je vous parlais tout à l'heure, qui ont débuté, alors selon les sources, à partir du XVIIe ou du XVIIIe siècle. Donc l'idée, en fait, c'est de savoir comment l'océan façonne-t-il ses contours d'un point de vue socio-culturel, et comment ses contours, donc l'interface, façonne lui également aussi l'intérieur de cet océan Indien. Les populations de cet espace océanique sont vraiment venues des quatre coins de l'océan. On y retrouve un mélange, on y retrouve une émergence de nouvelles sociétés, et on arrive au concept de transculturalité. Monsieur Carpanin Marimoutou, il y a quelques jours sur France Inter, faisait une réflexion assez pertinente où il disait que la rencontre de l'Inde et de la Chine ne se fait pas dans ces pays-là, mais se fait bien à l'intérieur de l'océan Indien, et notamment à la Réunion. Et de là-dessus, il est parti sur le concept de la créolité. Alors maintenant, je vais faire un focus sur Madagascar. Madagascar qui est vraiment l'exemple parfait de la rencontre, en fait, entre ces différentes interfaces. La question que je me suis posée, en fait, c'est de me dire, Madagascar, à quel sous-ensemble continental est-ce qu'il peut appartenir? Est-ce qu'il fait partie à la fois de la SADC, donc de l'Organisation Régionale Africaine, dont vous parlez tout à l'heure, mais également de la COI, qui est l'Organisation Régionale Indienne-Océanique. À côté de ça, la population, la langue, vient plutôt d'Indonésie. Pour complexifier un petit peu le parallèle, Madagascar a eu une histoire politique africaine seulement depuis l'arrivée des Européens dans le but de la colonisation. Donc, ce pays-là a été rattaché vraiment dans l'imaginaire collectif extérieur directement à l'Afrique. Mais en s'y intéressant un peu plus, en creusant un peu plus la question, on se rend compte que cette affectation-là de Madagascar au continent africain n'est pas forcément si automatique que ça. Et surtout que le découpage politique régional ne se superpose que très rarement au découpage socioculturel et historique. Notamment, on peut le voir par cet exemple de cette carte, où la société de Madagascar est la résultante de la fusion des sociétés
bantous swahili, qui viennent de l'interface à l'ouest, de la côte africaine, mais également de la péninsule arabique, avec des apports arabo-musulmans, et également la troisième partie de l'interface, donc la partie asiatique, avec l'apport des Austronésiens. Et alors, quand je parle d'apport, je parle vraiment de fondement socioculturel, de fondement de la société. Donc, pour détailler un petit peu ces apports, on voit qu'il y a des apports donc, de la croyance, notamment le culte des ancêtres, l'attachement à la terre, qui vient à la fois d'Asie du Sud-Est, mais également qu'on retrouve en Afrique. On a également la religion musulmane qui est présente sur le territoire malgache, qui est implantée dans la culture et dans la société malgache. Ensuite, concernant les organisations sociales, on peut faire des parallèles en fait, entre les organisations sociales sur l'île de Bornéo, notamment avec l'importance de la rizière, qui est vraiment au centre de l'organisation communautaire, qu'on retrouve à Madagascar, mais également le rôle central du zébu, par exemple, ça qui est venu de la société africaine. Et Madagascar, vraiment, est la fusion en fait, entre ces deux interfaces. Donc pour conclure mon propos, en fait, cette interface, c'est vraiment le lieu qui va à la fois nourrir et être nourri par l'intérieur de l'océan Indien. Et donc les découpages de ce territoire sont extrêmement complexes. On a donc dégagé des sous-ensembles politiques, historiques, socioculturels et également géographiques. Alors géographiques dans le sens de proximité géographique. Donc politique, on a vu le découpage continental de par la proximité géographique et surtout de par la vision assez européenne centrée communément admise. Donc on a vu les limites. On est reparti sur un découpage géographique avec l'interface du rôle des pays bordiers dans cette interface qui fait le lien vraiment entre l'espace continental et l'espace océanique. Donc là-dessus, on peut aborder le thème de l'ouverture et de la fermeture, ce que j'abordais avec la perméabilité de cette interface et qui va permettre une certaine transculturalité. Alors, pas dans tous les cas, mais dans le cas de Madagascar, ça a été l'exemple. Une transculturalité à l'intérieur de cet océan Indien. Et enfin, des caractéristiques historiques et culturelles. Donc là, le découpage se complexifie et on se doit vraiment de prendre en compte cet aspect-là, cet aspect transculturel de ces sociétés dans cet océan Indien. Merci pour votre écoute. Je vais maintenant passer la parole à Fabrice Follin.